William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock. WDMZ. Salut à tous, nouvel épisode de WDMZ Classic Rock avec un artiste que je connais très mal, mais je vais me faire aider par mes invités que je vous présenterai juste après ce premier titre de cet artiste. Suspense, hein, comme on dit partout, et même ici, je voudrais dire à la cantonade que nous allons parler de Frank Zappa et vous dire surtout que je ne connais rien de Frank Zappa. Pourtant, nous sommes à peu près de la même génération, la génération des années 70. Mais pour être aidé, parce qu'il va falloir quand même que je fasse une émission de rock et de radio, David Togis est là. Bonjour David. Alors, on dit bonjour, alors. Oui, bonjour, au revoir, tout ce que tu veux. Mes respects, docteur Zerbib. Et nous avons un invité d'honneur, Laurent Jaoui, auteur du Hérouville et Château hanté du rock aux éditions Le Castor Astral. Alors, Laurent, oui, vous avez deux casquettes. Là, on va prendre la casquette rock. Tout le monde sait que vous êtes également un très grand sportif. En tout cas, vous avez
dirigé des émissions, voire même produit des émissions de sport sur d'autres chaînes. Et toujours d'ailleurs, pourquoi pas faire de la publicité en ce moment, puisque de temps en temps, d'abord je suis abonné. Moi aussi. Et en plus, de temps en temps, c'était hier, je crois, il y avait un fabuleux Lille-Paris. Ouais. C'est sur Amazon Prime, c'est ça, non ? Amazon Prime Vidéo. Voilà. Et il y a beaucoup de football. Ah oui. Ça me rappelle une certaine émission que j'animais avec un certain ami qui s'appelait Charles Lamson. D'ailleurs, ah oui, c'est un ami commun. On va arrêter là, on va revenir au rock. Alors oui, Franck Zappa, donc, je disais ça sans aucune forfanterie ni même plaisanterie, c'est que je ne connais pas du tout parce que c'est, pour moi, c'est... Et surtout quand j'ai vécu les années 70 avec ce type qui était omniprésent, je ne comprenais rien. Donc on a écouté un titre qui s'appelle « My Guitar Wants to Kill Your Mama » de l'album « Weasels Rip My Flesh ». David Togis, dites-nous tout. Qui est ce type ? D'où il sort ? D'où il vient ? Et qu'est-ce qu'il voulait ? Alors, je ne peux pas tout vous dire, sinon il faudrait une émission d'environ 5 heures. Et qu'en plus, je ne suis pas le plus grand spécialiste. Mais disons que si on peut aller à l'essentiel, premièrement, Zappa n'est pas un musicien de rock à la base. C'est un compositeur qui aurait voulu, et qui y est parvenu à la fin, être reconnu comme un créateur de musique contemporaine, qui joue non pas avec des musiciens de rock, mais avec des orchestres, et qui écrit toute sa musique, ça veut dire du papier, d'un stylo, et des partitions pour tout le monde. Donc premièrement, même quand Zappa fait de la musique facile, tu dois connaître le solfège et savoir lire une partition. Petit exemple, un de ses morceaux célèbres s'appelle The Black Page, c'est un solo de batterie. On ne peut pas jouer sans partition. J'ai vu, moi, de mes yeux, vu un musicien dans un groupe de reprise de Zappa français qui a dit « Ah, maintenant, on va tenter un grand truc, je vais essayer de jouer The Black Page. » Il arrive, il pose sa partition, il joue le nez sur la partition. Bon, ça, c'est Zappa. Alors, c'est un solo de batterie rock. Hein. Donc, c'est la complexité, mais c'est aussi un jeu assez pervers avec la culture rock et la culture populaire, puisque lui, il arrive en 1966 avec son premier album, avec de la musique qui fait penser à l'esprit californien, pas si loin, de Grateful Dead, dans le côté un peu de virtuosité, un peu d'inventivité, et un esprit un peu communautaire aussi, et très fun. D'autant plus qu'il c'était un très bon ami de Captain Beefheart, si je ne me trompe pas. Oui, ce sont des amis d'enfance, effectivement, ils ont travaillé ensemble plusieurs fois, y compris sur des albums de l'un et de l'autre. Mais quand il commence à faire ça, finalement, pour lui, le rock, c'est un passe-temps, et puis il va s'en servir de la manière qu'il a choisi, c'est-à-dire pour faire pas mal de provocations, et on en parlera très vite, pour faire aussi des choses plus compliquées que les amateurs de rock n'ont pas l'habitude d'entendre, et on évoquera en particulier son usage des métriques asymétriques quand il s'agira d'écouter Zombie Ouf, qui va arriver dans pas très longtemps normalement. Et puis il y a aussi ce côté mélange, c'est-à-dire que Zappa c'est un univers, et c'est pour ça que c'est agréable à écouter ou à découvrir, puisque Laurent, je pense que tu connais un peu des disques entiers, c'est qu'on peut avoir sur le même disque de la pop, un guitar héros qui fait un solo de 3 heures et un morceau de musique contemporaine extrêmement compliqué à suivre, le tout avec des arrangements et des instruments atypiques, par exemple les marimbas et le xylophone, grand amour de Zappa. Et petit aparté communautaire, Ruth Underwood, la joueuse de xylophone, voilà, c'est la musicienne juive qui a le plus joué avec Zappa. Son vrai nom, c'est Komanoff, d'ailleurs, et, parce que c'est le nom de son mari. Donc voilà, on ne peut pas non plus le taxer d'antisémitisme. Là, je ne sais pas pourquoi je dis ça, voilà. Laurent, oui, c'est bien sûr que ce n'est pas un antisémite. Non, mais il a été limite, parce que quand on fait une chanson qui s'appelle Jewish Princess... Pour vous, Zappa, c'est une période... C'est une époque, comme vous, je ne suis pas un méga fan, parce qu'il faut rentrer dans cet univers-là. Ouais, et en fait, il y a plusieurs univers. Ce qui est très frappant, David l'a dit, c'est que c'est d'abord à la base un adepte de musique contemporaine. Mmh. Et ce que je trouve intéressant dans cette époque-là, et il y a un écho avec une période que j'ai beaucoup suivie pour l'écriture du livre sur le Château d'Hérouville, c'est que le créateur du Château d'Hérouville, Michel Magne, c'était un musicien contemporain, un type adepte de musique contemporaine qui s'est dit c'est pas suffisant, il faut s'ouvrir au rock, et finalement si on peut faire soulever les jeunes avec Pink Floyd plus qu'avec Brahms ou Bach, ben on va faire ça, et on va même peut-être mélanger les deux. Et là on est à la toute fin des années 60, début des années 70, le château ouvre en 70 et Zappa en 70 il a 30 ans, donc on est vraiment dans cette période là où finalement des gens venus d'horizons différents et d'univers qui a priori aujourd'hui ne se rencontrent plus du tout, ne se parlent pas, à l'époque pouvaient se mélanger, se marier pour le meilleur, hein, la plupart du temps, parfois pour des choses un peu étranges, mais là en l'occurrence c'est un formidable exemple.
Alors, on va écouter un autre titre tout de suite, mais alors celui-là, apparemment, il va faire jaser. En tous les cas, David, tu nous en parleras. C'est ce fameux Jewish Princess, mais ça, c'est le nom de l'album. Déjà, il faut... Non, c'est pas le nom de l'album. Ah non, pardon, c'est le nom... D'accord, l'album, okay. C'est Shake Your Booty, qui est déjà un jeu de mots oui. Avec Shake Your Booty, donc secoue tes fesses. Et puis là, avec Shake, ça fait un peu arabe. Donc, juif arabe, donc il a tout fait vraiment là-dessus. Alors, donc, l'album Shake Your Booty et le titre Jewish Princess, vous êtes bien sur WDMZ avec deux invités, celui que vous connaissez, c'est David Togis depuis longtemps, et Laurent Jaoui pour un bouquin qu'on peut toujours trouver. Hein. Oui, toujours, bien sûr. Hérouville, le château hanté du rock, et nous direz deux mots quand même. Sur avec grand plaisir. Oui. Aux éditions de Castor Astral, voici tout de suite Jewish Princess. I want a nasty little Jewish princess, la, la, la. With long bony nails and a hairdo that rinses. Wee. A horny little Jewish princess, with a garlic aroma that could level Tacoma. Lonely inside. Well, she can swallow my pride. I need a hairy little Jewish princess, la, la, la. With a brand new nose, who knows where it goes. I want a steamy little Jewish princess, with overwear gums, who squeaks when she comes. I don't want no troll, I just want a Yemenite hole. Jewish princess, la, la, la. Who don't know shit about cooking and is arrogant looking. A vicious little Jewish princess, too specifically happen with a pee-pee that's snapping all up inside. I just want a princess to ride. All right, back to the top. Everybody twist. I want a funky little Jewish princess, la, la, la. A grinder, a bumper with a pre-moistened dumper. A brazen little Jewish princess, hi-yo! With titanic tits and sandblasted zits. She can even be pulled. She does it with four of the gold. Favor one. I want a dainty little Jewish princess, la, la, la. With a couple of sisters who can raise a few blisters. A fragile little Jewish princess, hi-yo! With Romanian thighs, who weasels and lies for two or three nights. Won't someone send me a princess who bites? Won't someone send me a princess who bites? WDMZ, Classic Rock. Alors, c'est vrai que c'est déroutant, quoi. Je sais même pas quoi dire, quoi, après un titre pareil. Moi, je peux dire que je refuse de traduire et non, que alors, je conseille aux âmes sensibles de ne pas chercher la traduction parce que c'est à la fois très provocateur, proche de l'obscénité, mais en même temps très subtil. Dans le choix de vocabulaire, il y a une vraie inventivité. Et je pense qu'en 1979, au moment où sort cette chanson, sociologiquement, la Jewish Princess, en particulier américaine, c'est un concept qui se tient. Non, oui, c'est sûr. Ça se tient, hein, ça existe. Maintenant, est-ce qu'il faut faire d'obscénité avec? Je ne suis pas sûr. Est-ce que Zappa était, suspect d'antisémitisme? Bien sûr que non. Et en revanche, il a joué là-dessus consciemment, puisque c'était quelqu'un de très instruit à tout point de vue. Et d'ailleurs, il a dit « Heureusement que j'ai eu cette attaque et ces menaces de l'Anti-Defamation League, parce que mon album Shake Your Booty a été un des plus vendus. » Parce qu'en réalité... Il a fait booster les ventes.
Oui, mais il suffit d'un scandale pour faire booster les ventes. Surtout quand tu t'habilles avec un kéfier comme un chèque, que tu s'appelles Check Your Boutique, qui est déjà quand même un truc un peu graveleux, et qu'à l'intérieur, il y a Jewish Princess. Donc un an après You Are What You Is, un nouvel album, qu'est-ce qu'il fait comme chanson ? Catholic Girls, qui est exactement la même chose, avec des filles catholiques qui sont obsédées, qui font des trucs incroyables. Comme ça, il est tranquille. Donc, ça fait un scandale, l'Anti-Defamation League, tu m'as dit. Un petit scandale, parce qu'en même temps, il ne faut quand même pas oublier que Zappa avait un public restreint. C'était oui. Comme une famille qui le suivait de concert en concert. D'abord, c'était un phénomène très californien, puisque, bon, il a un peu bougé dans sa jeunesse, mais il s'est quand même fixé en Californie. Et puis, c'était presque un meeting, un happening, un show de comique, parce que il parlait tellement Zappa pendant ses spectacles que un journaliste a fini par lui dire vous êtes pénible, vous parlez plus que vous jouez. Et donc derrière, qu'est-ce qu'il fait en 81? Shut up and play your guitar. Réponse au journaliste, un triple album, deux solos de guitare qui se tiennent, évidemment, qui sont très intéressants. Donc, de toute façon, lui, il jouait avec tout. Il a répondu à cette chanson par une chanson sur les filles, entre guillemets, catholiques, mais on remarquera que ce n'est pas protestante. Catholique, c'est quand même une minorité aux États-Unis, par rapport aux protestants. Et puis, il a toujours fait ça sur plein de sujets. Il s'est retrouvé en première ligne avec les femmes de sénateurs, là, le fameux mouvement parental advisory, machin. Oui. Ce qui fait qu'on est arrivé quand même, une des plus grandes absurdités de crétinerie de l'histoire du rock, c'est qu'il a un album instrumental qui sort et sur lequel il y a le sticker, alors qu'il n'y a pas de parole, parce que c'est instrumental, tellement il était étiqueté comme le type qui... Ce qui fait qu'il a voisiné avec des chanteurs de hard rock pour se défendre. Alors je parle de ça parce qu'avec Dee Snider, c'est quand même un chanteur aux origines juives, donc c'est intéressant. Et ces gens-là étaient solidaires, et surtout c'était l'occasion de montrer que même les chanteurs de hard rock n'étaient pas si bêtes. Laurent Jaoui, est-ce que c'est quand même... Bon, encore une fois, moi je ne connais pas grand-chose, mais c'est déroutant, quoi. On passe d'un style à l'autre, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plusieurs styles. Et surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on s'en prend à tout le monde, quoi. Oui. Il n'y a pas de sélectivité. Jewish Princess, Catholic Girl, tout le monde en prend pour son grade. Et à la limite, c'est se nourrir des polémiques, se nourrir des invectives. C'est de l'intelligence situationnelle. Moi, je trouve que c'est très marquant d'une époque où on pouvait se permettre quand même énormément de choses. Alors, bien sûr, il y avait des ligues de diffamation, etc. Mais imaginez aujourd'hui. C'est impossible. Non, mais imaginez aujourd'hui. Avec le wokisme, un quart du tiers du huitième. Exactement. Non, mais c'est impossible. Mais il y aurait tout de suite. Même venant de Zappa, même avec son passé. Il y aurait des menaces de mort. Mais évidemment, mais donc, ouais. Donc c'est assez plaisant d'entendre tout ce que David raconte. C'est assez plaisant de voir qu'à cette époque-là, on pouvait faire ça. C'est assez plaisant de voir qu'à cette époque-là, un artiste pouvait s'en prendre aux journalistes, pouvait s'en prendre à son public, parce qu'il s'en est pris à son public aussi. Hein. Il s'est battu avec son public. Est-ce que c'était un public ? C'était même pas des fans. C'était pas une espèce de secte, les zappistes. Non. Je pense qu'il avait plusieurs publics, parce que sur la fin de sa carrière, à partir du milieu des années 80, il faisait uniquement de la musique contemporaine. Enfin, Boulez lui a quand même fait une commande. Oui. C'est énorme, ce truc-là. J'aimerais bien trouver un musicien de rock qui se retrouve dans la même situation. Et puis, comme il était déjà malade et qu'il commençait, entre guillemets, à avoir un peu de respectabilité, notamment avec un milieu intellectuel qu'il avait adoubé, Vaclav Havel, un ami qui devient président, pas que je me trompe, entre Slovaquie et République tchèque. Là. C'est République tchèque. Il a des statuts dans plusieurs pays, mais il était à aimé. Berlin, surtout. Pardon ? En Allemagne, je crois. Oui, effectivement, il était aimé par les intellos, Zappa, ce qui fait qu'au moment où il faisait ses provocations, il y avait toujours suffisamment de fonds pour se défendre, pour répondre. Et puis son public était assez complice, au sens qu'il n'y avait pas d'abrutis qui disaient « Ah, moi, tiens, je vais venir le voir dire du mal des Juifs ». Ça pouvait, il comprenait. Mais en revanche, ce qui est important, à mon avis, c'est que le public non anglophone ne comprend pas Zappa s'il se contente d'écouter la musique, même contemporaine, même instrumentale, tellement il était important de voir tout le contexte. Et effectivement, on parlait des journalistes tout à l'heure, mais c'est un peu triste ce que je vais dire, un peu terrible, mais il avait peut-être les moyens d'en mépriser certains, parce qu'il disait... Je refuse le jugement de rock critiques qui ne peuvent pas comprendre ma musique, puisqu'eux-mêmes ne comprennent pas la musique classique et la musique contemporaine. Sous-entendu, ils n'ont pas assez d'instructions pour que je leur explique pourquoi j'ai écrit à la mesure 4 telle note de batterie sur Black Page ou sur telle symphonie, etc. Ouais, mais alors David, moi, juste un truc, je pense qu'il faut toujours faire attention aux batailles d'érudits, parce que ça fatigue un peu tout le monde, et il y a des artistes qui sont un peu comme ça, qui se drapent dans des postures de « j'ai une formation de musicien classique, vous ne pouvez pas comprendre ». Et il en fait partie, c'est ça. Non, mais je dis pas ça, je dis l'émotion, c'est quelque chose
difficilement palpable, il n'y a pas un diplôme d'émotion. On peut être ému et les journalistes peuvent être parfois maladroits, mal s'exprimer, etc. Mais cette bataille d'érudition dans la musique parfois est un peu fatigante. Et je pense qu'à cette époque-là, il y avait un peu une sorte de concours de qui on savait le plus, quoi. Et bon, on parle de Frank Zappa, hors antenne, on parlait tout à l'heure de Lou Reed, et c'est vrai que de temps en temps, ça a donné lieu à des empoignades un petit peu étranges, quoi, et un petit peu hors de propos. Eh bien, on va écouter encore une histoire de fille, c'est Valley Girl de l'album. Attention. C'est compliqué, hein. Ship arriving too late to save a drowning witch. Oui, et en l'occurrence. Il est barré, le type, là, quand même. Non, il n'est pas barré, il fait un titre long, un peu rigolo, mais en l'occurrence, c'est bien sa propre fille qu'on entend sur la fin de la chanson. Et là, on va avoir l'occasion de parler d'un certain critique très connu de rock en France. Valley Girl. Valley Girl, she's a by the neatest mini skirts and stuff. It's like so bitchin' because like everybody's like super, super nice. It's like so bitchin'. Are you into S&M? I go, oh, right. Could you, like, just picture me in, a leather teddy? Yeah, right. Hurt me. I'm sure, no way. He was, like, freaking me out. He called me a beastie. That's, like, he's totally blissed. He goes, like, bag your face, I'm sure. Those things that stick in your mouth are so gross. You gotta get saliva all over them.
see my smile. It'll be like really cool. Except my like teeth are like too small. But no biggie. So awesome. It's like tubular, you know. Well, I'm not like really ugly or anything. It's just like, I don't know. You know me, I'm like into the like the clean stuff, like Pac-Man and like, I don't know. Like my mother like makes me do the dishes. It's like so gross. Like all the stuff like sticks to the plate. And it's like somebody else's food, you know? It's like grody, grody to the max. I'm sure. It's like really nauseating. Like, mais nous saoule, hein, sa fille, là. C'est bien sa fille qui... Oui, alors j'espère ne pas me tromper. Je crois que c'est Diva, la petite dernière, parce qu'il y a Moon Unit aussi qui est l'aînée. Ah, parce qu'ils ont des prénoms. Ah, bah j'adore, moi, Moon Unit, on ne peut pas faire mieux Dweezil, que ça. Ahmed. Dweezil, ouais, c'est ça. Ahmed, oui. Donc nous parlons de Frank Zappa avec David Togis et Laurent Zaoui. Donc là, à la limite, c'est, disons que c'était pour moi, hein, c'était audible jusqu'à l'intervention de sa fille. Oh, c'est pas très gentil, ça. C'est parce que tu n'as pas vécu en Californie. Alors, en fait, pourquoi... Non, c'est vrai, j'ai pas vécu en Californie. J'ai proposé ce morceau. Allé, mais j'ai pas vécu. J'ai proposé ce morceau parce que c'est un des rares qui soit rentré dans les charts. Je crois que c'était à peu près au niveau de la place de 30e. Je crois qu'il a jamais fait mieux, même s'il a fait plusieurs singles, hein, Zappa. Hein. La maison de disques a quand même essayé. Et donc, c'est en 1982 et il a l'idée de se moquer gentiment d'un certain accent, mais aussi d'une certaine façon de vivre d'une petite bourgeoisie californienne. Donc ce qui est très drôle quand on fait l'effort de s'intéresser à ce que dit la demoiselle, c'est que d'abord, il y a un vocabulaire, il y a des mots déformés, il y a un accent pas possible avec des sortes de boursouflements, parce qu'il y a quand même des accents aux États-Unis, le Texas ne parle pas le même américain que New York. Et puis, il y a des expressions qui sont assez typiques, très répétitives, et qu'on entend bien dans le morceau. Et donc, ce sont des propos d'adolescente un petit peu trop gâtée, qui est dans son petit univers bubblegum, protégé, qui la rend ridicule, et elle en fait des tonnes, et c'est ce que voulait papa, forcément. Et donc, c'est assez rigolo, surtout quand on comprend à peu près le tout, mais en France... Oui, quel est le rapport avec un célèbre Jesse Croc ? Mais j'y arrive, cher monsieur. C'est qu'en France, il y a un certain Philippe M, qui écrivait à l'époque dans Rock and Folk... Ah, mais je pourrais plus l'inviter, lui, c'est fini. Une chronique de 45 tours, puisqu'à l'époque, ça existait. Oui. Et donc, il ne trouve pas autre chose à dire quand il voit arriver ce morceau. J'en rougis de connaître l'anglais. Donc, il laisse entendre que ce sont des propos porno, quoi, en gros. Sans se dire qu'en plus, c'est Zappa qui joue avec sa fille. Ça ne lui traverse pas l'esprit. Donc, il fait croire qu'il connaît l'anglais, alors qu'il n'a rien compris à la chanson, ni à l'esprit, ni à la forme. Donc, quand Zappa se moque des critiques, bah là, par exemple, il aura un bon exemple. Bon, bah voilà, c'est déjà envoyé, c'est fini. J'en rougis de comprendre l'anglais. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais bien jeune, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas croyable, ça, ce Zappa, qu'est-ce qu'il fait avec sa propre fille? Mais c'est incroyable, alors que pas du tout. Il n'a pas un problème avec les filles ou les femmes, là, ouais. Valley Girl, Jewish Princess, les Catholic Girls. Mais non, mais est-ce que Valley, ça évoque des lieux de Californie, ça, parce oui, que San Bernardino, San Francisco. Donc, encore une fois, c'est très connoté, et quand on ne connaît pas la culture américaine, c'est plus dur. Donc, je ne vais pas non plus dire commencer par les albums instrumentaux, parce que vous allez tomber sur de la musique contemporaine. Mais puisque un jour, je suis sûr que tu vas me poser la question, par quoi commencer? Je dirais commencer par la période dorée, 1973-1976, où Zappa fait des albums où il n'y a pas de musique contemporaine, où c'est du bon rock bien gras, avec des super musiciens. C'est Apostrophe, c'est Overnight Sensation, c'est Zoot Allure. À mon avis, c'est plus facile de rentrer dans Zappa avec ça. Eh bien justement, puisque tu parles d'apostrophe, on va écouter Cosmic Debris. The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, look here, brother, who you jiving with that cosmic debris? Now who you jiving with that cosmic debris? A razor and a can of foaming goo, but he told me right then
won't do with the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said, look here, brother, who you're dabbing with that cosmic debris. Now what kind of a guru are you anyway? And your preparations and ram it up your snout. But I got a crystal ball, he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right. I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was deep. I said some mumbo-jumbo then, I told him he was going to sleep. I robbed his rings and rocket rods and everything else I found. I had that sucker hypnotized, he couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then, as long as he was hanging around. I said, the price of meat has just gone up and your old lady has just gone down. Now, is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know, you could make more money as a butcher. So don't you waste your time on me. Don't waste it. Don't waste your time on me. Shanti. Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur radio-rcj.info. Et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify. Alors là, j'aime bien. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi j'aime bien. Parce que c'est, pour moi, c'est ça, Zappa. C'est un mélange de genres, mais ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Ça a commencé, c'était du Weather Report, c'était du jazz rock. Il y a eu un morceau de guitare extraordinaire. Je ne sais pas si c'est lui qui jouait, mais en tout cas, on était dans du rock. Il y a des morceaux, on se rapproche du hard. Et la fin, c'est du blues, quoi. Donc ça oui, ça j'aime, ça me déroute moins que le reste. Laurent. Mais c'est non mais c'est varié. Non mais je peux dire des bêtises. Non, moi je suis totalement d'accord avec ce constat-là. Il y a plusieurs morceaux en un et ça reste très accessible. Alors oui. pour quelqu'un qui aurait comme ça la réputation d'être un petit peu ésotérique ou pour ouais. certains de ses titres, la preuve que non, là c'est un morceau qui peut passer à la radio, ça pas ça loin. C'est sûr, ça peut passer. La preuve, ça vient de passer à la radio. Mais non mais sans problème quoi, sincèrement, ça fait partie des facéties du personnage quoi et de son côté protéiforme, enfin très agréable. Je pense que Zappa était ambigu sur son rapport à la musique populaire entre guillemets, puisque bien sûr qu'il était capable de faire des choses simples et agréables, sans avoir d'esprit ironique, et des choses extrêmement compliquées, voire même hors de portée, même d'un public assez ouvert. Par exemple, on va parler de Stravinsky tout à l'heure, on peut aimer le Sacre du printemps et avoir beaucoup de mal avec les œuvres contemporaines de Zappa, mais ce qui...
ce qui frappe dans ce morceau-là, c'est l'excellence. C'est-à-dire que les chœurs sont excellents, les lignes de basse, le batteur, le choix des voix, la complémentarité des sons, le fait qu'il ne soit pas seulement un bon guitariste, parce que quand on entend cette wah-wah avec ce son, je pense que oui, c'était lui qui faisait le solo. Il y a déjà une couleur qu'on reconnaît tout de suite, et ça, c'est quand même la marque de très bons musiciens. Mais il a créé une sorte d'école, un peu, le seul exemple que je trouve, c'est Magma en France, parce que Magma a accueilli des musiciens tellement extraordinaires qu'ils ont formé non seulement une cohorte de musiciens de jazz qui ont créé toutes sortes de groupes et de formations ensuite, mais aussi des accompagnateurs et des directeurs musicaux de la variété française. Laurent. Incroyable que David évoque Magma, Christian Vander, puisque la personne qui a repris le château d'Hérouville, Laurent Thibault, est le bassiste inaugural, initial, le premier bassiste de Magma, un ami de Christian Vander. Il quitte le groupe assez vite, il devient producteur de Magma, il fonde un label qui s'appelle Telem, de musique un peu expérimentale, progressive de l'époque, et il reprend donc le château d'Hérouville en 74, et Magma va enregistrer 6 albums au château. Donc on est quand même dans une sorte de continuité, et c'est vrai que Magma, pour qui pense que là encore, c'est loin, c'est alors ok, bien sûr, c'est le kobaya, c'est ce langage étrange, le dzeul, etc. Mais il faut écouter Magma aujourd'hui. Hein. Franchement, il n'y a aucun problème pour rentrer dedans. Aucun problème pour rentrer dedans. Et Christian Vander existe encore et continue de produire des disques. Il a un studio sur les hauteurs de Nice. Je serais pas 100% d'accord parce que, c'est encore une fois, pour moi, c'est un peu abstrait aussi, Magma. Mais bon, moi, je fais partie de l'école un peu classique du rock. D'ailleurs, l'émission s'appelle Classic Rock. Mais, et Magma, c'est les variations, je préfère à Magma. Mais bon, ah c'est une histoire de goût, bien sûr. Mais... Alors, attends, Hérouville, tu en parlais. Hérouville, le château hanté du rock. Allez, on continue à en parler de ce bouquin, c'est quoi? Alors, c'est l'histoire d'un château... D'abord, il est toujours en vente aux éditions Le Castor Astral, partout. Monsieur... C'est l'histoire d'un château qui est situé à 30 km de Paris, dans le Val-d'Oise, à quelques kilomètres d'Auvers-sur-Oise, dans la campagne du Vexin, dans le nord de Paris, quoi, dans le 95, dans lequel, entre 1970 et 1985, un nombre incalculable d'artistes internationaux et français sont venus enregistrer à l'abri des regards. Ça a été le premier studio résidentiel au monde. C'est-à-dire que les musiciens venaient, vivaient sur place, dormaient sur place, mangeaient sur place, faisaient la fête sur place. Il y avait une piscine, des courts de tennis, tout ce qu'il fallait pour vivre très bien. Prenaient du LSD et tout ce qu'il fallait à l'époque et créaient. C'est pas un EHPAD pour rock'n'roll maintenant. Absolument pas. Malheureusement, ça a aujourd'hui, fermé. Aujourd'hui. Malheureusement, ça a fermé. Et donc, sont passés David Bowie, Iggy Pop, Pink Floyd, Elton John, les Bee Gees, il y a même eu du disco, Fleetwood Mac, Bernard Lavilliers, Jacques Higelin, qui a vécu, il a fait 5 albums là-bas, ça lui a tellement plu qu'il y est resté pour vivre quelques années avec sa femme et ses enfants, Charlie Dicouture, tout un tas d'artistes qui sont passés dans ce château et qui sont, pour certains d'entre eux, revenus, comme Tom Jones, comme Mark Bolan, tout ça sans que personne n'en sache quoi que ce soit à l'époque, puisque c'était vraiment un choix des maisons de disques de se dire on va envoyer nos artistes en France, qui avaient une très bonne réputation à l'époque en termes de production, et ils vont être un peu loin de Paris et des tentations de la capitale. En même temps, si on a besoin d'organiser des fêtes, il y aura tout sur place. Il y avait des chefs cuisiniers qui préparaient des repas formidables. Il y avait les plus grands crus dans la cave. Et ça a été 15 années de liberté, de création artistique totale. Et presque même, j'allais dire, de vie en communauté. Parce qu'en fait, ce que racontent les témoignages de ceux qui ont vécu cette époque-là, c'est qu'ils vivaient un peu les uns à côté des autres, pour ne pas dire les uns sur les autres. Et évidemment que quand vous aviez dans le même château, au même moment, David Bowie, Jacques Higelin, Ritchie Blackmore, ex Deep Purple, plus Yves Simon, Louis Bertignac, forcément ça crée de l'émulation. Et tous ces gens-là se retrouvaient le soir dans le grand réfectoire, manger ensemble, échanger. Ça enregistrait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un kibbutz, quoi. C'était une sorte de kibbutz. C'était une sorte de kibbutz à 30 bandes de Laurent, Paris. Vous avez réussi à aller, vous avez réussi à parler à tous ces gens-là? Bien sûr, il y a une quarantaine de témoignages dans le livre de ceux qui ont connu cette époque-là. Et ils en gardent. Ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Ils étaient dans la plus belle période de leur vie. C'était une époque où quasiment rien n'était interdit. On est pile poil après mai 68. Ça va même trop loin, parfois, ils le reconnaissent. Il était vraiment interdit d'interdire. Je sais de quoi il parle, parce que ce sont mes années. Hein, donc... Et voilà. Et c'était de la création totale, sans aucune limite. À une époque où les maisons de disques étaient très puissantes, Elton John, par exemple, est venu. Il a fait 3 albums en 2 ans là-bas. Wow. Dont Don't Shoot Me, I'm Only Player.
I'm Only a Player, piano player, Goodbye Yellow Brick Road et Honky Château, album sur lequel il y a Crocodile Rock, Rocketman, Daniel, Candle in the Wind, enfin c'est l'âge d'or. Pas n'importe quoi. Non mais c'est l'âge d'or. D'Elton John, hein. C'est vraiment ces années quoi. Bah, il est venu à ce moment-là. Pink Floyd a enregistré la bande originale d'un film de Barbet Schroeder qui s'appelle La Vallée. C'est un album formidable de Pink Floyd. On sent les effluves, vous voyez, enfin, on est avec eux dans le studio quoi. C'est incroyable. C'est pas mort. Non, c'est un autre. C'est une autre bande originale. Bah, il m'a donné envie d'acheter le bouquin. Je crois qu'en sortant d'ici, je vais aller l'acheter. Excusez ma voix éraillée, Monsieur Togis. Alors, on revient à Zappa, parce que le prochain titre, il me fait penser à un hommage à deux personnes. D'abord à Stravinsky, mais aussi à Iron Butterfly. Eh oui, bien sûr. Me trompe-je ? Eh oui, alors, comme il amusait la galerie, qu'il aimait s'amuser, et qu'il voulait montrer qu'il avait ces cultures-là, Zappa, pendant un de ses happenings live, mélange l'intro calme avant qu'arrivent les cuivres menaçants du Sacre du Printemps et In the Gada Davida, ce qui est une déformation pour dire In the Garden of Eden, de Iron Butterfly, donc un groupe de heavy rock de la fin des années 60, très important dans la culture rock américaine. Et voilà, il s'amuse pendant 2 minutes 50 avec ça, et ça fait partie d'un de ses albums 100% instrumentaux, qui s'appelle Guitare, qui est paru en 1988. Et c'est un choc culturel qui résume assez bien finalement l'état d'esprit du fan de base de Zappa, qui a priori va aimer les deux. Eh bien, on va écouter de l'album Guitare, In a Gada Stravinsky. Gada Stravinsky, mais comme mon réalisateur me signale que j'ai trop parlé, alors je lance le prochain titre, c'est Zombie Woof, et juste après, tu commenteras ce titre, Zombie Woof.
my spirit did a midnight creep. You know I'll never sleep no more. It seemed to me that it just ain't wise that you ever wake up in the morning with a zombie wolf behind your eyes, just about as evil as you could be. Sensations, c'est le nom de l'album, on est en 1973, le titre Zombie... Eh bien, j'aime beaucoup Zombie Wolf, qu'est-ce que je te dis. C'est vrai, c'est du Zappa, mais c'est très rock.
Je crois que tu voulais dire. Je crois que Laurent voulait dire quelque chose. Laurent, prévu de faire une déclaration. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble et on parle de 45 minutes et on parle de musique classique et de rock. Et il se trouve qu'en ce moment, j'ai la chance de travailler de près, auprès d'un artiste français qui s'appelle Benjamin Biolay, qui est premier prix de conservatoire à Lyon de trombone et de tuba, et qui est un garçon qui est capable, de manière concomitante, de diriger un orchestre symphonique. C'est ce qu'il fait en ce moment. Il va être à Lyon, à Strasbourg, avec des orchestres symphoniques philharmoniques, et puis d'être au Zénith et de faire du pop-rock, quoi. Et en fait, ça pose aucun problème. Et j'ai eu la chance de le voir dans le cadre d'un documentaire. C'est un fou de Formule 1. On l'avait amené dans les usines Renault, dans le sud de Paris, là, sur l'autoroute A6. Et il avait écouté le bruit d'un moteur, un V12. Et il avait reconnu la l'oreille intégrale, les notes de musique faites par le moteur d'une Renault Formule 1. L'oreille intégrale, c'est l'oreille absolue ou c'est vraiment l'oreille intégrale? L'oreille intégrale. Ah, parce que je ne connaissais pas cette expression. Si, oui. Je connaissais l'oreille absolue aussi. Oui, enfin, l'oreille absolue, mais ce que je veux dire, il peut reconnaître un son. Il a reconnu le son le moteur et mettait des notes qu'il a réussi à reconnaître. Et en fait, au bout du compte, peu importe, c'est pour ça qu'au début de l'émission, vous disiez, William, ouais, je ne suis pas fan, etc. Mais en fait, quand on rentre dans l'univers, que ce soit une base de classique ou du rock pur et dur, si on est touché, on est touché. Et voilà. Et je pense que, pour le coup, Benjamin Biolay, c'est un bon exemple d'un type qui est capable de partir de quelque chose de très, très, très basique et classique, sans faire de mauvais jeu de mots en termes de formation, pour pouvoir aller vers d'autres univers, quoi. Eh ben, on va l'inviter. Ah ben, il viendra avec grand plaisir. Eh ben voilà, alors, c'est fait. Je voulais quand même je vous en prie. Expliquer c'est, David, c'est votre émission aussi. Le choix de ce morceau, parce que d'abord, on est dans la période dorée, qui est effectivement la façon la plus facile d'entrer dans l'univers de Zappa, comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est une question qui se pose pour les auditrices et les auditeurs qui vont se dire, mais qui c'est ce type, par quoi commencer? Comment ça, 119 albums, mais comment vais-je faire, dont quasiment la majorité est posthume. Et donc... là, à cette époque-là, il est dans une logique d'excellence, mais qui reste quand même un peu sur les rails du rock, avec des éléments empruntés au jazz fusion, à la musique progressive, au hard rock. Et il y a toujours ce côté d'excellence. Mais par exemple, il y a tellement de changements de signature rythmique sur ce morceau, Zombie Ouf. On passe de 3 temps à 4 temps. Il y a des passages à 2 temps, donc en 2-4. Il y a du 5-4 et il y a même du 15-16. Donc, je suis perdu là-dedans. Moi aussi. Il y a des bouquins qui expliquent ça, mais en gros, on ne peut pas danser là-dessus et on ne peut pas battre la mesure sur un 15-16 comme on peut le faire sur un 4-4 ou un 3-4 qui a un tempo de valse. Et donc, les grands précurseurs de ce mouvement-là sont notamment Dave Brubeck en jazz, mais le rock progressif a beaucoup fait pour la popularisation entre guillemets des mesures impaires, mais n'a pas fait partie de ces grands manipulateurs de métriques. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on revient sur ce côté, c'est accessible, c'est agréable, il y a plein de soul, il y a du funk, il y a les chœurs, tout est super bien en place, mais je suis désolé, la section de cuivre sans la partition, elle ne peut pas jouer, et le batteur sans la partition, il ne peut pas suivre, parce qu'il y a trop de changements. Voilà. C'est ça, Zappa. Ben, écoute, et c'est quand même l'histoire d'un chien zombie, et ça, c'est quand même rigolo. Et, écoute, je ne sais plus combien de temps il nous reste pour l'émission, mais on va quand même embrayer avec Peaches on Regalia de l'album Hot Rats. Et évidemment, après, tu nous diras tout ce qu'on doit dire sur ce album. Un résumé, en tout cas. Un petit résumé. Peaches on Regalia. We'll be right back.
Alors, mon réalisateur me signale qu'il reste très peu de temps et je voudrais passer encore un autre titre. Deux mots sur ce titre, Peaches on Regalia, qui est un morceau instrumental, donc on est chez Zappa. Très bien, à 100%. Tu m'as demandé deux mots, voilà. Voilà. Donc, bon, alors... Non, ce que je voulais dire, moi, c'est que il s'agit de jazz fusion, mais au sens plaisant du terme, comme pouvait le faire Miles Davis sur ses moments les plus, entre guillemets, les plus apaisés, parce que c'est pas toujours facile, le Miles Davis fusion. Et puis, il a voulu, à ce moment-là, il avait déjà commencé sa carrière depuis 3 ans, faire autre chose, il était capable de le faire, les musiciens pour, et c'est l'occasion de souligner l'école des batteurs de Zappa, parce que moi je suis fan de batteurs. À l'époque, je pense que c'était Hans Leidenbar, musicien britannique, mais il a eu quand même dans son groupe des monstres comme Terry Bozzio, comme Chester Thompson dont on a parlé, et comme Vinnie Colaiuta et Chad Wackerman, et ce sont des très grands de la batterie. Merci David Togis, merci Laurent Jaoui. Avec grand plaisir. Et vous revenez quand vous voulez. Bah, quand vous voulez. Cette maison et cette émission est la vôtre. Je connais le chemin. Quand Benjamin Biolay, bref, voilà. Merci d'avoir écouté cette émission. On termine avec un dernier titre de Zappa, We Are Not Alone, de l'album Man From Utopia, 1983. Salut à tous.